Nous sommes en 1869, dans la contrée de Glasgow, en Écosse. C'est dans le manoir de Monsieur le Noir qu'a lieu, en ce moment même, un dîner réunissant tous les membres de sa famille. Alors que son dîner touchait presque à sa fin, Monsieur le Noir se leva, un verre à la main, tout en s'essuyant la bouche. Il se racla la gorge avant de prononcer le discours qui allait tout chambouler. S'il vous plaît, je demande votre attention. Ouais, beau gueule. Merci. Tu connais la blague de toi. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux à ce repas. Sans doute plus poussé par la question d'héritage que par l'envie de voir votre grand-papy. Mais cela a peu d'importance. Avant de passer au dessert, je tiens à préciser que vous vous êtes fait rouler. Quoi ? Eh bien, quoi ? Eh oui, vous vous êtes fait rouler. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai décidé de changer mon testament et je ne vous laisserai rien du tout. Mais c'est n'importe quoi. Garçonnil, j'espère que c'est une blague, sinon c'est pas gentil. C'est pas gentil. Mais mon notaire vient demain, donc si quelqu'un a envie de me tuer, il lui reste encore un petit peu de temps. Je sais ce que vous allez dire, c'est injuste et tout le tralala. Parfaitement. Mais je suis un pauvre vieillard sénile et comme il me reste plus beaucoup de temps à vivre, autant en profiter pour faire chier le monde. Parfaitement. Enfin, chérie, pense à ton cœur. Mais je ne vous laisse pas sans rien. Au contraire, c'est juste qu'au lieu de vous partager tous mes biens, il faudra vous partager ma collection de bonbons pré-mâchés. Bon, mais c'est vraiment n'importe quoi, je vais vous laisser digérer cette nouvelle. Quant à moi, je vais me retirer dans mes appartements en attendant le dessert. Espèce d'enculé ! Chérie, si tu recommences, je te mets la camisole. Coupe la tête ! Là, il est allé trop loin. 10 minutes plus tard, retrouvons Monsieur Lenoir dans son bureau, en train de savourer sa victoire avec un petit verre de whisky. Pour des raisons de suspense, nous avons masqué la voix du meurtrier. Ah, 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 ah. Oh, ils auraient dû voir leur tête. C'est à mourir de rire. Oh, ça les a bien calmés, là. Ils sont complètement stupides. Comme si j'allais leur laisser mon argent. Non mais moi, l'homme plus avare que Satan et Picsou eux-mêmes. Ah, je serai enterré avec, tiens. Il est peut-être un peu trop masqué, là. Ouais, peut-être. Attends, j'ai une autre idée. Pouf pouf. Ça, c'est ce que tu crois. Hein ? Mais c'est quoi cette voix complètement pourrie? J'ai pas l'air crédible avec une voix de chipmunk. Je pourrais pas avoir une voix un petit peu plus grave, s'il vous plaît? 1, 2. Ah, c'est mieux là. Bon, je recommence. Ça, c'est ce que tu crois? Vous m'avez tué! Vous m'avez tué! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je viens de vous le dire! Vous m'avez tué! Vous êtes pas censé être mort, vous? Ah oui, en effet. Autant pour moi. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah oui, je vais d'abord me débarrasser de mon arme. Ce sera déjà pas mal. Aïe. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Oh oui, je sais. Je vais écrire le nom d'une autre personne avec son sang. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser. Autant faire quelque chose. Le faire en rime, ce serait super cool. Ah merde, j'ai plus d'encre. J'ai plus de sang. J'ai même pas eu le temps d'écrire le nom. Bon bah, tant pis, hein. De toute façon, personne ne pourra me soupçonner. Mais pourquoi j'ai une voix aiguë maintenant? Oh mais bordel, vous faites vraiment chier. Ouais bon bah, moi je me casse, hein. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche, hein.